Allez, direct depuis un lieu mythique, le tramway du Mont-Blanc et l'arrivée au nid d'aigle du tramway du Mont-Blanc avec le paysage magnifique. Un temps extrêmement frais à 2372 mètres d'altitude et ce train qui arrive dans quelques secondes au nid d'aigle et qui est parti de Saint-Gervais. J'espère que la connexion est bonne pour arriver justement dans ce lieu mythique du nid d'aigle à Saint-Gervais-les-Bains à 2372 mètres d'altitude. Vous avez ici le train qui passe dans les parties les plus raides de la montée. On rappelle qu'il s'agit du tramway du Mont-Blanc, un lieu absolument mythique, pied du Mont-Blanc, la voie normale du Mont-Blanc que l'on voit ici d'ailleurs, avec le tunnel dans un instant, probablement la connexion qui va couper. On a ici une montée magnifique, température 18 degrés seulement. Il faisait 34 degrés tout à l'heure sur le Fayet, avec ce vide vertigineux ici. Ce train qui s'appelle la Jeanne, qui est ici, que l'on voit avec son arrivée. Dans quelques secondes, nous reprendrons le direct si c'est possible tout à l'heure. La connexion est difficile, l'endroit est magnifique. Il s'agit du tramway du Mont-Blanc, avec les gens à l'intérieur évidemment. Et on va passer dans un instant dans le tunnel. Connexion probablement délicate avec le tunnel qui arrive dans un moment. Une montée magnifique, une pente extrême ici. Et l'arrivée dans quelques secondes. Au nid d'aigle, 2372 mètres d'altitude, l'endroit est fabuleux, température 18 degrés. Il faisait 34 degrés tout à l'heure au Fayet en partant. Et nous allons franchir l'arrivée, regardez, on va se décaler un petit peu dans le tunnel de l'arrivée du nid d'aigle ici, où il fait sombre, la connexion risque de couper évidemment dans ce tunnel où la température est extrêmement fraîche ici. La sortie dans un instant, la connexion tient pour l'instant, c'est assez miraculeux. La balade est une balade exceptionnelle.